Bon, on est donc là pour une nouvelle vidéo. On est donc là pour un VGS Live sur Castlevania 2. Simon's Quest, non. Sur Nintendo Entertainment System, bien entendu. Donc allons-y. Donc en ce moment, pour moi, il y a complètement, incroyablement beaucoup d'input lag. La vidéo a l'air en 240p par contre. La vidéo. Je veux dire, en tout cas, sur ma télévision HD. Vu que, en même temps, le signal disait que le jeu est en 240p. Allons voir lui. Allons voir lui, vite fait. Tout aussi bien, tiens. On est aussi bien. Donc, allons-y. Donc, apparemment, le jeu est en 240p sur ma télévision HD. Bon. Peut-être que oui. En tout cas, la qualité est complètement horrible. Et l'input lag, elle est encore plus. Et, en tout cas, sur ma TV, ma télévision, réellement, la qualité est en 16... En fait, le jeu est en 16/9, donc je comprends absolument pas pourquoi. Oh mon dieu, ça a été proche. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ces lignes en bas d'écran? Vous pouvez les voir vous aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu ces lignes avant. En tout cas, lorsque je jouais sur ma télévision cathodique, je dois bien dire que c'était beaucoup mieux. Je vais jamais faire une comparaison. Donc, pour vous montrer en même temps qu'est-ce que ça a l'air. On ne peut pas la faire immédiatement. Allons-y! Donc, et voilà. Donc, on est maintenant sur Mario, comme j'ai bien dit, entendu. Donc, je dois bien dire la qualité d'image sur ma télévision cathodique HD. En tout cas, une de mes télévisions HD. Donc, je dois absolument toujours ajuster la caméra parce que la caméra, en tout cas, ma nouvelle caméra que j'ai eu, comme bien que j'ai entendu, obtenue l'année, en fin d'année passée, a une espèce de étrange comportement de, regardez, je vais juste la redresser et ça, elle tombe directement. Qu'est-ce qui se passe? Je faisais pas ça tout à l'heure. Et si je bouge avec Mario? Qu'est-ce qui se passe? Complètement étrange. Bon, ça me laisse pas. Espèce d'aller. Je mets ça comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? La caméra est complètement étrange, je dois bien dire, au niveau de... Ah, mon dieu, l'input lag. Regardez l'input lag. En tout cas, c'est surtout lorsque je regarde la caméra. Ah, ça va probablement tomber encore. C'est surtout lorsque je regarde la caméra. En tout cas, l'écran de la caméra. Parce qu'on voit qu'est-ce qu'on enregistre. Donc, en tout cas, regardez le rapport d'aspect complètement horrible. Juste comme ça. Avec lorsque j'ai juste en connectant le câble HDMI après ma barre de son. Donc, espèce d'est, pourquoi est-ce que ça fait ça? Ça faisait pas tout à l'heure lors des. Mon dieu, je me demandais c'était quoi ce point-là. Ah, c'est un nuage. Donc c'est ça. Donc je vais appuyer sur pause avant que j'épuise tout le temps, parce que ça m'avait arrivé tout à l'heure. Donc c'est ça, donc. Donc je voulais juste jouer une partie de Super Mario Effect avant de commencer la vidéo de Castlevania 2. Cependant, regardez, l'input lag. C'est encore plus pire lorsqu'on regarde sur l'écran de la caméra quand même. Mais l'input lag est complètement horrible. Je dois bien dire, à comparer de sur ma télévision cathodique. SD bien entendu. Cathodique SD, parce que j'imagine qu'il y en a même. J'imagine qu'il y en a des cathodiques HD. Et voilà. Cathodique SD, donc 480i et 240p natif, n'est-ce pas? Ok, voilà, donc avançons. Donc, réellement, l'input lag est complètement horrible. Bon, je pense à devenir mieux, mais quand même. Que s'habituer, plutôt. Ok, voilà. Donc, comme on peut voir, c'est réellement l'input lag. En tout cas, la qualité, je veux bien dire, la qualité vidéo est complètement horrible. Tout est embrouillé. C'est complètement horrible. Donc, j'essaie de mettre la télévision en 4 tiers, mais ça n'a absolument pas fonctionné. Donc, c'est qui est complètement stupide, mais bon. Donc, et voilà. Donc, ça, maintenant, ça me donne un aperçu, j'imagine. Et en plus, le jeu tourne en 30 FPS, donc, pour une raison étrange. Donc, ça reconnaît du 720 fois 240p, 30 FPS. Je ne comprends absolument pas pourquoi. 30 Hz, plutôt, mais bon. Maintenant, c'est 30. Maintenant, ce sont des FPS en même temps. Mais en même temps. J'imagine on peut traduire le mot Hertz en FPS parce qu'on veut savoir combien de frames qu'il y a par seconde, j'imagine. Mais bon, ok, voilà. Donc je vais monter maintenant. Je vais montrer bien entendu maintenant la comparaison avec une télévision cathodique SD. Donc le Nintendo qui joue Super Mario sur Nintendo, composé bien entendu, sur ma télévision SD cathodique, n'est-ce pas? Allons-y. Bon, donc et voilà. Donc, et voilà la comparaison entre ma télévision SD cathodique, donc cathodique SD. Donc, tiens. Donc, je suis pas sûr si j'enregistre en 60 FPS, je viens de dire non. Si la caméra n'enregistre pas en 60 FPS, quand même. C'est lorsque
Que je mets la caméra en double de vitesse, j'imagine, au montage. Lorsque je mets la capture vidéo en double vitesse. Ok, voilà, donc c'est que ça a l'air, donc. Bien entendu, c'est beaucoup plus difficile à voir, mais la qualité est complètement incroyable, comparée. Ok, voilà. Regardez. Ok, voilà un peu ce que ça a l'air. Donc, si on va dire que je jouerais comme ça, regardez Mario. Regardez la qualité de Mario. Donc, si je vais ici, regardez comment on peut bien le voir. Regardez les pixels. Je crois qu'on peut voir les scanlines, regardez. Je crois bien. Je suis pas assez proche pour voir, mais bon. Tiens, dézoomons un peu. Mais bon, regardez, si on regarde comme ça aussi, on peut voir les Goombas. Attends, si je dézoome un peu, on pourra voir plus l'image, de plus en plus, quand même. Donc, tiens, voilà. Mettons là comme ça. Ok, voilà. Donc, en ce moment, j'enregistre en 4 tiers, vu que sinon, l'image est un peu... Parce qu'on manque un peu l'image. On manque un peu l'image. On a des bords noirs à gauche et à droite, j'imagine. Et il faut absolument que je dézoome la caméra, donc voilà. Comme ça, c'est bien bon, quand même. Je peux bien dire. Et voilà, tiens. Donc, évidemment, l'input lag, il n'y en a absolument aucun, regardez. À comparer, surtout. Et voilà, tiens, parfait. Avançons, avançons. Donc, voilà, c'était ça pour la comparaison, n'est-ce pas? Bon, c'était ça, je dis c'était ça, mais bon, j'aurais plutôt dire c'est ça pour la comparaison, n'est-ce pas? Donc, retournons bientôt à Castlevania 2, Simon Quest. Donc, allons-y. Donc, et voilà la comparaison. Donc, et voilà. Comme on peut voir, tu peux le voir même mettant bien, bien mieux, parce que ça a l'air sur ma télévision 4K SD, à comparer de... espèce ma télévision HD. J'ai bien entendu filmer avec ma caméra, en tout cas les deux, mais ma télévision 4K et ma télévision HD, je les ai les deux filmés avec ma nouvelle caméra que j'ai. Madame nouvelle. En même temps, je me dis que oui, encore. Mon Dieu, j'essaie de me baisser, regardez. En même temps, je crois que je me suis baissé, mais je suis pas certain. Je veux rien dire. L'input lag est complètement horrible. Espèce de... Tiens, meurs. T'as vu, il va mourir. Espèce de... Ça n'a pas duré longtemps, mais bon. Non plus, c'est ça, là. L'input lag n'est pas incroyable. Oh mon Dieu. Moi qui croyais que j'aurais pu diriger mes sauts. Espèce de... Espèce de... Le genre de monstre étrange. Ok, voilà. Tiens, t'es eu à mourir. Donc, je veux bien dire, j'aime bien Maximo 2. En ce moment, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas joué. Donc, j'ai fait les parties Maximo. Donc, les parties. Vous avez vu, je crois bien que vous avez juste vu la partie 1. Donc, en tout cas, j'ai fait quelques parties ensemble en un coup, directement aux alentours de mi-septembre. On va dire. Je veux bien dire que j'aime mieux les contrôles de quand même de Goods and Ghosts. Je veux bien dire. Espèce de... Cependant, j'aime bien le jeu pareil. Bien entendu, c'est parce que je sais quoi faire. Hein. Quelqu'un qui sait pas quoi faire, je suis pas sûr que si le jeu est aussi bon. Même pour quelqu'un qui sait absolument tout quoi faire, le jeu est quand même très, très plaisant à jouer. Espèce de... Je veux bien dire. J'ai bien eu plaisir à jouer pour la première fois. J'ai fini quelques fois en plus. Oh mon Dieu. Espèce de... Donc, et voilà. Espèce d'ennemi. Espèce d'ennemi, n'est-ce pas? Espèce de squelette. Je sais pas ce qu'ils font. Mais bon. Bon, voyons voir. Allons à l'intérieur ici. Bon, je me rappelle bien. La forme invisible. Bon, commençons. Et voilà. Il faut avoir le cristal blanc, c'est tout ça. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Tiens, et voilà, il va mourir. Ok, voilà. Oui, j'aime bien Maximo 2, j'en ai dit pour mes premières impressions. Réellement, après, je crois que c'est après la quatrième partie, oui, après la quatrième. Non, rendu à la quatrième partie, c'est réellement là que je trouve que Maximo 2 est quand même très très bon. La troisième partie, c'est probablement la partie que j'ai moins aimée. Et c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas au niveau des parties. À chaque fois que je commence, je sais pas si c'est le cas pour la première partie. Non, je crois que c'est pas le cas pour la première partie, mais à chaque fois que, à partir des prochaines, je crois, eh bien, il y a un problème au niveau du monde. Espèce de.
Il y a un problème au niveau du montage. Bon, au niveau du montage, pas réellement au niveau du montage, mais réellement au niveau du contenu vidéo. Je sais pas pourquoi, mais le contenu vidéo a été coupé au début lorsque je commençais les parties. Donc, il y en a une vidéo que ça l'a coupé aux alentours de 2 minutes. Une autre 5 minutes. Après, c'est une autre 4 minutes. Et la dernière, je crois que c'est quoi, c'est la 5 ou 6. Je l'ai pas encore édité. Je ne sais plus c'est laquelle. On avait gardé une encore à éditer plus tard, c'est le plaisir. Donc, et celle-là, c'est complètement. J'ai perdu un peu de contenu à ce niveau-là. Je ne comprends absolument pas pourquoi j'ai perdu du contenu. C'est réellement étrange. Peut-être à cause, vu que j'ai fait tout le temps un coup avec l'intro et tout ça, peut-être que ça a fait quelque chose. Ou peut-être lorsque je charge un niveau, ça fait une coupure, en tout cas, quelque chose du genre. Je dois bien voir. Je vais faire j'ai oublié ça. Je vais faire un genre de test. Je crois bien. Avec d'autres jeux. Avec les autres jeux, j'ai remarqué que c'était correct, je crois. C'est étrange. J'essaie de regarder un peu sur Maximo 2. Donc je vais probablement charger ma partie. Et puis, une fois que j'aurai chargé ma partie, je vais essayer probablement. En tout cas, ça va être rendu au mois de novembre, j'imagine. Fin novembre. Peut-être pas fin novembre. Mais bon. Donc, c'est ça, donc. Je trouve une façon. Donc, je vais essayer de faire la meilleure façon pour que ça ne coupe plus, n'est-ce pas? Même s'il s'agit d'utiliser le DVD player, bon. Le DVD player est complètement horrible. Ça ne fonctionnera pas trop avec cela, mais bon. Maintenant, je dis ça, mais bon. Je dis que je suis sûr, mais bon. N'est-ce pas? Il y avait des occasions où est-ce que ça allait fonctionner. Comme par exemple dans le BCS démo de celui de Zone of the Enders. Ça allait fonctionner. Mais pour le BCS démo de Jak and Daxter, ça n'a absolument pas fonctionné. Et bien. Gargoyle's Quest. Je sais absolument pas comment dire ce mot en. Soit en français, soit en anglais. Je sais pas ce que je veux dire je sais absolument pas si je devrais dire en français ou avec un accent anglais. Un accent français ou anglais. C'est une espèce de monstre avec des ailes, n'est-ce pas? On peut donc les appeler comme ça, mais bon. Gargouille. Mieux comme ça, n'est-ce pas? Mais bon. Donc, c'est ça, non. Donc, c'est dommage un peu parce que j'ai pour les morceaux de parties que j'ai perdu. Mais, je vais bien regarder pour éviter que ça la fasse quand même. J'ai pas envie que ça la fasse. Excusez-moi. Donc, ça se pourrait bien que ce soit lorsque. Lorsque je charge un niveau. C'est qu'il y a un genre de coupure ou quelque chose du genre de résolution, un peu comme une cinématique. Et ça casse absolument tout, mais ça pourrait bien que non aussi. Ça peut être une erreur de la poche. Faudrait que j'ai écrit de la poche. En même temps, j'aimerais pas réellement continuer le let's play sans que je fasse une partie en même temps. En même temps, il va falloir. Je vais aller sur un des 8 niveaux. Je charge la partie une fois que j'aurai terminé le test. Je supprimer le test. Et genre, je chargerai la. En tout cas, à part si c'est quelque chose d'incroyable qui se produit. Que j'ai envie de le montrer. Mais bon, normalement, il y a rien qui va se passer. Donc, je supprimerai le test et après ça, je chargerai la partie. Et puis, je continuerai après cela. Donc, voilà. Donc, en tout cas, le BCS Live quand même dure assez longtemps. Je ne sais pas si c'est BCS Live quand même assez trop longtemps. Donc, pourquoi pas se laisser ici, n'est-ce pas? Voyons voir si on peut faire passer. Non, parce qu'il faut. Ah oui! Mon dieu, est-ce qu'on va arriver à la fin? Oh non. Eh bien. Bon, ça l'arrête là, j'imagine. En tout cas, on va se laisser ici pour ce BCS Live. Je l'ai dit, BCS Live d'esprit. Donc, pour ce BCS Live, et on va se revoir pour un prochain BCS Live. Donc, en même temps, j'imagine que c'est ça, mais j'imagine bien entendu, puisque c'est des BCS Live, BCS Live d'esprit. Et la prochaine vidéo devrait être un BCS Live. Ou un BCS Live d'esprit. Donc, on va se revoir pour le prochain BCS Live, n'est-ce pas? Est-ce que ça va être un BCS Live? Est-ce que ça va être un BCS Live d'esprit? Laissez-moi y penser.
que... Ça devrait être un baissé de faible aspect. J'imagine. En même temps, je pourrais aller voir. Mais bon, je sais pas. En tout cas, ce sera un BCS live, ça c'est certain. Soit let's play ou soit juste BCS live normal. Donc, on s'en va pour une prochaine vidéo. Et, est-ce que j'aurais vous donner un indice? Ça, je peux pas bien. Ce sera sur un jeu qui ressemble beaucoup à Maximo. Mais peut-être en 2D. Donc, en tout cas, on s'en va pour une prochaine vidéo et au revoir!